C'est parti pour épisode 14. Ce que je dis, c'est que ce quartier, on nous l'a donné. Alors c'est à nous de faire la police. Ah, tout ce que vous direz sera retenu dans ta chatte. T'es un vrai ouf. T'as le droit de garder le silence, sale fils de pute. Ferme ta gueule, gros. Je te colle pour outrage. Sale mec, c'était même sur un Lascar. On l'a fumé juste devant sa run. T'as les cartes? Ouais, Bedbug. Et les copines? Ouais, tout est là. Et pour la part d'Irak? T'occupe pas d'Irak, occupe-toi de moi. Yo, check! Big B est dans la place! Bien? Bien ou bien? Puis-je parler à Lil Juice? Oui, monsieur, pas de problème! Seul. Pige, pige. Quel con. Tu fais ta tournée? Ouais. Je vais y aller en caisse. T'en penses quoi? Tu crois qu'ils ont capté? Non. Et on dirait que le club fait plus confiance à Irak. Cool. Parce qu'ils vont bientôt bosser avec moi. Et quand je serai le boss, je me souviendrai de toi. T'intéresser, Bug. Crois-moi. Ok, je t'écoute. Pas au téléphone. Faut qu'on se voit. T'as du cash sur toi? Bah ouais, toujours. Pourquoi? Le truc, c'est que ça va pas être gratuit. Mais ça vaut le coup, je te jure. T'inquiète, on verra ça. Ok, je t'écoute. Bon ben, je veux 500 dollars pour ce que je sais. D'où tu crois qu'elle vaut autant de fric ton info? Parce que si tu lâches pas la thune, il te reste pas longtemps à vivre. Attends, c'est une menace gros? Je te préviens, me cherche pas, t'as pété un plomb quoi? Tu crois qu'elle va pas entendre parler de ça? Oh putain! Irak! Sérieux? Mais c'est Irak justement ton problème. Ok, ok. Allez, dis-moi ce que tu sais. Ça a intérêt à valoir le coup. Bon, écoute ça. Ils vont t'appeler pour que t'ailles au break. Et là, ils ont prévu de te descendre. C'est des conneries, ça! Wow! Hé, hé! Qu'est-ce que tu fous, mec? Allez, mec. Mais quoi, ça? Rapide, je suis en plus qu'à Irak. Trouvez ce bâtard. Prêtez-le. Faut que je bouge. Faites-la bien. Ouais, c'est qui? Le mec qui vient de te sauver la vie. Et je peux faire beaucoup plus, mais il faut m'aider. C'est quoi les briques? D'accord. Tu me tires de là et
psychiatre après. Putain, mais il est où le mec là? Bon, il est où maintenant l'autre? Putain, mais il est passé où? Ces mecs n'ont aucune valeur pour Irak. Mais dans un gang, pas de place pour un maillon faible. J'ai vu la même chose arriver à d'autres types. S'ils font pas leur part du boulot, ils se font descendre. Mais si Bedbug tient le coup et prouve qu'il est de confiance, non seulement Irak pourra sauver la face, mais il en sera fier.
justement en train de gémir. Il dit que t'as tout faux, qu'il s'est fait pigeonner par son client, tu parles d'une pleure des cheveux. Dis, ça t'embête si je lui colle un coup de perceuse dans ses rotules? Oui, ça m'embête. T'es tellement prévisible. Ça donne pas envie de te rendre service. Justement. T'as besoin d'un service. Je prépare une embuscade. Il me faut des explosifs, tu peux m'arranger ça? Je peux tout faire. Après, si je veux le faire, ça c'est autre chose. Mais attends, tu sais quoi? Ça tombe bien. Laisse-moi récupérer mes potes et je te retrouve là-bas. C'est quoi ton problème? Hey. Oh, c'est quoi ça? Passe par derrière, tu verras. Oh. Comme je te l'ai dit, j'ai amené des potes. Oh ben, Dieu les mots. Je croyais que tu parlais des explosifs. Ah non, non, j'aurais dit les filles. Mais j'en ai aussi. Bon, j'ai besoin d'elle. Faudrait trouver un moyen d'impliquer ces gars dans une sorte de fusillade entre gangs. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied et puis tu me dois bien ça. Je te dois rien du tout. Bon, tu te fais un balai, Guillemot, dans ce camion à glace, là. D'accord. Ces deux sacs à foutre, c'est les restes d'un contrat gabonais. Si tu savais comment ils comptaient me buter. Je suis au volant d'un putain de tank, une grosse cylindrée des 70s. Tu sais, du temps où un accident de la route, c'était une putain de boucherie. Dépêche. Bref, ces deux guignols décident de me rentrer dedans. Avec une chiotte écolo à la carrosserie tout en plastique. Et là, j'entends une sorte de ping et je les vois percuter une camionnette. Tiens-moi ça, tu vois. Génial. Merci. Ça. C'est pour toi. C'est une bombe adhésive. Regarde. Ça colle. Cool, hein? Bref, ces deux connards sont là à compter leurs dents. Et je sais pas si je dois marrer ou leur gueuler dessus tellement ils ont l'air pathétiques. Alors finalement, je sors mon 45 et je les transforme en passoire. Voilà, tu sais tout. Bon, tu veux bien t'en occuper? Non, pas question. Ou alors on fait ça? Comme ça? Ouais, ce sera une sorte de... d'entraînement. Eh les gars, vous en dites quoi? Jordi. Parfait, j'ai pas besoin de m'entraîner. Attends, je m'éloigne un peu. Jordi! Putain.
là que les hommes d'Irak veulent descendre au Bedbug. Sauf que ça compliquerait mon plan. Ok. Je vais leur tendre une embuscade et me débarrasser d'eux. Irak le saura, la réputation de Bedbug va monter. Et là, il sera à moi. C'est abandonné. Mais il doit rester des caméras de sécurité. T'es pas fait sauter la tronche ? Pas encore. J'essaie de savoir où ces types vont se retrouver pour pouvoir leur faire une petite surprise. Oh, des pièges, c'est bon ça. Que c'est ici qu'il faut mettre les bombes. Des traces de pneus. Quelqu'un se gare régulièrement ici. Merde. Est-ce que si je mets les bombes ici, ça... Merde, putain, il reste plus de temps. D'autres traces. On dirait que les voitures viennent des deux côtés. On verra bien si ça ira. Thank you.
Non, putain. Bon, je sais pas où ils viennent maintenant. Casseront. Merde, je quitte la zone. Non. Allô? Tes copains peuvent pas venir te répondre là. Ils sont morts. Encore un mec debout? Y'a quelqu'un? Allez, merde! Si je le laisse s'enfuir, il dira tout à Irak. Et Bedbug finira par se faire tuer. Allez, mais tourne! Putain! Le petit.
va lui rentrer un peu dedans. Allez, on se retrouve pour l'épisode, je crois que ça va être le 15, à plus.